Là, ça commence à filmer. Top. Attends. 1, 2, 3, action. Action. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça vous dirait qu'on fasse une vidéo ensemble? Ouais, si vous voulez. Ouais, moi je me présente, c'est Mika H, j'ai une chaîne YouTube. Et moi, c'est Mika Zboub. Mika Zboub? Oui. Je fais des vidéos sur des sites un peu pour adultes. D'accord. Vous connaissez Little Angel? Non. Non, non. Ah, je suis son plus grand fan, j'aurais aimé pouvoir faire la rencontre quoi. D'accord. Bon, ok. Mais peut-être un jour. Ouais, un jour peut-être. Moi, d'accord. Je suis une grande star. D'accord, ça marche. Une star foula? Ah, je connais ça. J'en ai mangé la semaine dernière. Ah, super. Ouais. Calin? Calin? Oui, Calin. Calin. Allez. Un petit gâté. Du coup, là, je vois qu'il y a un caméraman. Oui, certes. Oh. Oh. On est filmé depuis tout à l'heure? Oui. D'accord. On peut commencer la vidéo, du coup? Oui. Allez, c'est parti. Salut Internet, c'est Kamov. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon frérot, Mika. Sa chaîne YouTube s'affiche en bas et elle sera en description. À chaque fois que je dis qu'elle sera en description, mais je la mets jamais. C'est vrai, ça j'oublie. Putain, il va se vexer. Oh putain, on est mort. Oh là là. La déception. Ouais, je suis désolé, Mika. Moi je mets même le arrobas. Je suis désolé, bébé. Je suis désolé. C'est même pas un lien, c'est arrobas. C'est harmonieux. Même moi, je clique pour essayer, pour tester, pour voir que ça marche. Bref, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sensible. Vous savez qu'en ce moment, beaucoup de personnes passent le bac et il y a des gens qui s'amusent à vendre des sujets du bac en avance pour pouvoir faire tricher les élèves. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer pour un petit élève qui passe le bac. On a créé un faux compte Instagram et on a trouvé le contact qui soi-disant vend les sujets du bac en avance pour permettre aux élèves de tricher et d'avoir de bonnes notes. Bien évidemment, vous savez que c'est quelque chose de très dangereux. Et en plus de ça, s'ils voient qu'il y a un truc à fuiter, ils font recommencer les épreuves et ça met dans la merde plus les élèves qu'autre chose. Donc c'est un truc qu'il faut éviter absolument. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que l'autre qui est en train de se foutre de ma gueule derrière lui, si on les traite loin, les cachets. Normalement, les cachets. Les cachets. Les cachets. Ils ont la voiture. Dans la voiture. Le sable, c'est pas bon? Prends n'importe quoi. Ouais, ça absorbe un peu. Du sable, voilà, une pièce. Voilà, c'est bon, ça fait 50 grammes, c'est très bien. Voilà, impeccable. Voilà, super. Ouais. Voilà, il a avalé. Donc, les amis, on a donné rendez-vous à ce fab. Ah, j'en peux plus, frère. Je préfère d'être trop tranquille, c'est un truc de malade. Donc, les gars, on a donné rendez-vous à ce. Il est en train de faire un rejet. Oui. Il fait un rejet. Il rouille. Là, il a ressorti la pièce. Oh bordel de merde! Ah, il arrive pas à faire le rejet. Il a réussi. Il a bavé. Ah, quand je barre, c'est mauvais signe. Attention. Ah bon, les amis, ce qu'on va faire. Donc, les amis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné rendez-vous à cette personne et on va se rendre sur les lieux pour la rencontrer. The B, frère. Bonjour. Bonjour. Sujet du bac? C'est ça. Enchanté, Anthony. Bonjour. J'ai des sujets. Oui. Ça va. Non, mais par contre, vous avez compris. Merci de prendre le moment. Non, c'est juste que je m'inquiète parce que je vois votre pantalon là. Vous avez fait une action de moto récemment? Non, j'ai pas permis de moto. Ah ouais? Je suis pas là pour parler de moto, quoi. J'ai des sujets qui sont pas capables. Non, mais parce que là, il est dans un sale état, monsieur. On dirait que vous avez traité du 200. Non, mais j'ai pas permis de moto, je vous explique. Je suis pas là pour parler de moto. J'ai les sujets du bac. Toi, pour toi, Mika, tu penses qu'il a eu un accident de moto? Ben ouais. Et qu'il a été traîné sur 200 mètres sur le goudron comme ça? Il veut les sujets du bac ou pas? Ouais. Oui, on veut bien les sujets du bac. Oh, qui veut les sujets du bac? Frérot. Ah, faites quoi là? Elle est pas là. Non, mais j'ai pas besoin. C'est pas censé s'exporter partout. On fait TP là, je te rappelle. Non. Bah, de quoi ça marche que sur les réseaux. Après, je donne rendez-vous et ça se finit là. Et combien ça coûte? 1000 euros. 1000 euros? Ouais. Et il y a tous les sujets? Il y a tous les sujets. Français, maths, histoire géo, y a philo. Sciences Po. Philo, il y a? Oui, il y a. Non, mais ça existe, c'est vrai. C'est quoi, Sciences Po, c'est pas une école? Sciences politiques. C'est pour ça qu'il faut. Et genre, si tu réussis l'épreuve, après, on paye 1000 euros et on va à Sciences Po, c'est ça? Ouais. Ouais, bah. C'est ouais. À Paname? Non, tu en as à Marseille aussi. Bon, bref, comment vous avez eu ça, vous? Mais je suis prof dans un lycée. Attends. Toi, j'ai une idée. Toi, t'es prof d'art plastique. Non. Ça se voit à ta tête ici. Non. Le style, le look, la dégaine, accident. Je suis prof de musique. Ouais, ce que j'allais dire. Pareil, c'est ce que j'allais dire, prof de musique, c'est vrai. Prof de musique. T'aimes bien un peu, tu sais, genre, la flûte. Les flûtes et tout comme ça. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous les avez eu comment les. Je suis prof principal d'une classe. Et vous avez réussi à avoir les sujets? J'ai reçu à un moment donné les sujets, j'ai reçu, j'en ai fait des copies et maintenant je les vends. On peut les voir? Oui, ils sont là. Tu as fait voir dans ta sacoche? Non. Mika. Mika.
Est-ce qu'on peut échanger? Regarde. T'es pas, il est malade. Regarde, c'est toi, je fais. Il fait pas exprès. Et on échange. Non, c'est pas. Donc ça, c'est tous les sujets. Il y a tout là. Mais c'est un petit paquet quand même. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est une petite classe. C'est une petite classe. Vas-y, prends une photo. Celui-là. Vas-y. Bah attends, vas-y, je vas-y encore. Non, c'est bon, pas de payer. Vas-y, pas bête non plus. Vas-y. Attends, mon téléphone. On va se faire. Vas-y, je te calme, Denis. Mais non. Mais frérot, c'est pour acheter, c'est pas pour faire prendre en photo. Oh là là, mais il m'empêche, il m'emmerde celui-là. Hein. Il est tout calmé là parce que. Non, non, frérot, on va devoir le pas de respect s'il te plaît. Toutes les photos, c'est bon. C'est bon, on a toutes les photos maintenant, on y va, c'est bon. C'est bon. On va dire. Envoler. De quoi? L'argent. Ouais, on doit juste aller retirer pour. Vas-y, c'est bon. Tu nous attends là? Oui. Ok. Allez, viens. Allez, c'est bon. Allez, on attend, vous êtes là. Ah, d'ici 2-3 heures. Il faut que j'aille après. Bah ça va, on arrive. C'est bon, t'inquiète. On fait au plus vite. On ramène. Je dois retourner en cours après. Il est juste à 20 km le truc de retrait, ça va, fais vite. On vas-y. Est à pied. On est à, vas-y. On est à pied, ça va devoir aller vite. Allez, vas-y à toutes. Il est vraiment débile celui-là. Oui, il est complètement con. Bon les gars, ça fait 20 minutes qu'on est parti. Il a pas bougé. Il a pas bougé. Il est toujours au même endroit le mec. En gros, ça fait plus de 2 heures qu'on est parti, le mec là encore. Et là, frère, on va le voir, on va lui dire. Vas-y, on va lui dire. On va lui dire, on va lui dire la vérité. Faut prendre le pauvre blanc. Ça y est, c'est bon. Putain, je savais pas du tout, putain. Ah, on n'est pas allé en tirer du coup. Parce qu'en fait, j'avais la limite de plafond qui était trop. C'est ça. J'étais plafonné quoi. Mais ça me fait chier. Je travaille comme moi, je fais comment après? Ce bégaye pas frérot, tranquille. Vas-y, bégaye pas. On a pas dit tu bégayes. Serge, c'est de faire le voyou. Qu'est-ce qu'il veut le. Bah, je fais les sous. Qu'est-ce qu'il veut l'accident? Mais sinon quoi? Sinon quoi? Ça va se régler en tête à tête, c'est tout. En tête à tête de quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas déchirer ton t-shirt frérot? Tu vas déchirer le pull? Non, mais c'est bon, vous voyez. Là, c'est bon, on va le prévoir. Là. Bah c'est oui. Bon, on va régler ça à la loyale comme des hommes. Mais non, voilà, y a comme pas, des hommes. On n'est pas loyal. Bah, vous parlez chinois là, genre le plafond il est plafonné, je sais pas quoi. Bon, en fait, je t'explique, frère. Depuis tout à l'heure, on fait des vidéos sur internet. Et du coup, si tu veux pas que ta gueule elle apparaisse sur internet. Le dé. C'est quoi ça? J'ai pas eu le temps de finir. C'est une café. Bah, en fait, je t'explique. On va être un peu plus sérieux, frérot. Mika, on va être sérieux. On peut être sérieux? Donc je t'explique frérot, là on va arrêter de rigoler, on va parler sérieusement. Donc déjà, tu m'as dit que tu étais prof. Oui. Là tu es filmé, donc si on te dénonce, je pense que tu seras plus jamais prof de ta vie. C'est que les copies, les sujets, ils sont restés dans le bureau. Mais c'est con quoi. Mais c'est des sujets, t'es con quoi. Ça peut être des copies, on s'en fout, tu donnes les sujets aux gens, tu sais très bien de quoi tu parles. Les gens, c'est des faux. Comment ça c'est des faux? C'est des faux. Ah donc ça veut dire, ah d'accord, donc ça veut dire qu'en fait tu fais payer des gens pour leur donner des copies. Du sujet du bac, soi-disant pour qu'ils aient de bonnes notes, pour qu'ils trichent, mais c'est des faux. C'est ça. Les gens ils payent pour rien. C'est ça. 1000 euros en plus c'était? Ouais. Hein? 1000 euros. Et t'as pas de scrupules ou quoi? Non. Non. Alors chacun fait sa vie comme il peut. Donc maintenant regarde ce qu'on va faire, on va pas se faire chier nous. Là non seulement tu fais de faux sujets, et en plus tu arnaques les gens. Donc on va aller porter plainte pour arnaque, on a les vidéos à la pluie. Et puis voilà. Mais ça va porter plainte? Bah parce que soit ça, soit je te coupe la tête. Donc tu c'est toi qui vois, c'est toi qui préfères. Mais alors, ils volent les copies du bac, ils vont voir que c'est des faux. Ouais, il faut assumer maintenant. Il est royalement c***. Ouais. Ils vont voir que c'est des faux. C'est des sujets de quand ça? Parce que c'est des vrais sujets au final, c'est des sujets de quand? Cette année? Non. Tu viens de dire que c'est des faux, oh putain. C'est des sujets de quand? L'année dernière. L'année dernière? Tu veux qu'on fasse un arrangement? Ouais. Parce que moi ça me fait de la peine de l'amener, tu vois, je suis pas une poucave, t'as pas fait un truc de fou non plus, tu vois. C'est ton seul gagne-pain ça? Bah, elle est prof, tu sais, l'éducation nationale. Arrête de prendre. Tu es prof, toi de où tu es prof? Arrête de prendre. Tu as pas la tête que tu as, on dirait chauffeur, arrête. On dirait chauffeur routier, frère. Mais dis pas que tu es prof, s'il te plaît. Vas-y, viens avec nous. Moi, je t'explique, on va te lancer un petit défi. Si vraiment tu veux pas qu'on aille au flic, ok? C'est bon. T'es sûr? Ouais. Ok. Mika? Ouais. Tu vas monter en haut. Le but,
c'est que toi, tu arrives à monter ce mur d'escalade et que tu tapes la main à mon pote quand tu es en haut. Si t'arrives pas à faire ça, on va pas au flic, on te laisse tranquille. Ça va? Tu n'as pas beaucoup de temps, moi je te conseille de passer par ce chemin-là, c'est un peu plus facile par là. Ok. T'as 30 secondes pour monter. T'es prêt ou pas? J'enlève le sac là. Ah, vaut mieux. T'es prêt? Ouais. C'est bon pour toi? C'est bon. 3, 2, 1, 30 secondes à partir de maintenant. Allez, go! Allez, 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 allez! Allez, tu peux y arriver, tu mets 30 secondes. Allez, il reste 25 secondes, allez! 25 secondes! Allez, go! Lâche pas là! Lève la main! Lâche pas la main, là, mec! Mais comment? Tu vas y aller? Hein? Elles sont collées! Mais comment elles sont collées? Qu'est-ce que tu as quoi? Ah, tu cherches des prétextes? Mais non, y'a pas de prétexte, frère, je ne peux pas bouger les mains! J'ai jamais entendu ça, moi! Donc, les gars, voilà. Vous comprenez certainement pas pourquoi il arrive plus à redescendre. La réponse en vidéo. Ici, j'ai un tube de cold glue et on va y lancer un défi avant qu'il arrive pendant que Mika est avec lui. On va mettre de la cold glue sur toutes les plateformes. Comme ça, quand il va monter, il va mettre les mains dessus et il restera collé. Voilà, on va mettre de la cold glue maintenant. C'est parti. Putain, je vais essayer de t'aider. Tranquille, tranquille, toi. C'est bon. Allez. Voilà, ta sacoche. Oh, t'es con, frère. Je vais t'arracher, frère. Allez, venez, là, ça. Je vais t'arracher la tête. Je vais t'arracher la tête. Ah, vous allez voir. Passez-vous. Allez, venez, frérot. Ah, vas-y. Ah, t'es con, frérot. Oh, frère. C'est lui. Bon les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est bonne chance à tous ceux qui passent le bac, à tous ceux qui passent les épreuves en ce moment, on sait que c'est dur. Ne trichez pas. Payez un maximum, le bac c'est important. Et si quelqu'un vous propose de tricher, surtout dites non, parce que ça peut avoir des conséquences très très lourdes. Et si quelqu'un vous dit qu'il a les trucs du bac, les résultats, les sujets, n'y croyez pas les gars. Il y a 90% de chance que ce soit. Voilà, c'est des arnaques. Donc les amis, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. On y a bien fait la misère entre l'attente des 2 heures et là, franchement, je crois qu'il a pris tarif lui. Et je pense qu'il ne recommencera plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mika Lash. Elle s'affiche ici. Et on se dit à très vite, à la semaine prochaine, pour une toute nouvelle expérience sociale, une caméra cachée ou un prank. C'était Kamoff. À très vite. Ciao.